Pour le look Saint-Valentin, on va travailler tout en subtilité et sensualité, un teint mat et lumineux, un regard rehaussé de mascara et d'eyeliner, la bouche ourlée, légèrement contrastée par rapport au teint, pour accentuer le côté sensuel avec une touche de brillance. Donc, on applique le mat Morphose, fond de teint mat, légèrement satiné avec quelques reflets, texture soufflée qu'on applique sur le creux de sa main. Et je redégrade la texture sur l'ensemble du visage en démarrant du centre vers l'extérieur. Donc le rendu est déjà mat. Donc pas besoin de poudrer trop. Avec la poudre à corps parfait, une petite quantité suffira vu que le mat Morphose a un rendu déjà mat. Donc petite quantité sur le front, l'arête du nez, les ailes du nez, le menton, très légèrement sur les joues, les pommettes, en gardant toujours quelques points lumineux pour un rendu naturel. Voilà. On va passer au blush, toujours les Glam Bronze. On prend la matière au pinceau, on la dégrade sur le dos de sa main. Sculpter le visage, apporter de la couleur, rehausser un tout petit peu le teint. On dégrade des tempes vers le front, tout petit peu sur le bas de la joue, mais on n'oublie pas de dégrader sur le cou pour éviter les démarcations. On revient un tout petit peu vers le centre du visage pour redonner un effet coup de soleil. On dégrade sur le cou. Étape importante, on n'oublie pas de faire fusionner les matières en dégradant un tout petit peu au pinceau sans rajouter de fond de teint. C'est pas nécessaire. Voilà. Et on passe à l'application du mascara sur l'architecte 4D. Et on va l'appliquer de la racine des cils vers les pointes. La texture permet vraiment d'allonger les cils. En deux ou trois coups de brosse. N'oublie pas d'étirer les derniers petits cils vers l'extérieur pour allonger le regard. On va accentuer le regard en dessinant un tout petit trait d'eyeliner très fin à la racine des cils. En évitant le côté rétro, on ne va pas le remonter comme une virgule. Et on trace avec la pointe fine du pinceau un trait vraiment très proche de la racine des cils. Si on dépasse, ce n'est pas très grave, on va utiliser un coton-tige pour enlever le surplus. Sur toute la longueur. Voilà. On va passer à l'application du rouge à lèvres du rose universel. Une texture transparente. On va l'appliquer directement au raisin. Et la couleur varie en fonction de la couleur des lèvres de chaque femme. Donc une couleur unique finalement. Et enfin, pour finaliser le look, on va rajouter une petite touche de brillance avec le gloss Glam Shine. J'applique une petite dose de gloss sur le cœur de lèvre supérieure en dépassant un tout petit peu et ensuite en atténuant au doigt et en créant une véritable brillance naturelle sur le dessus et donner un côté un tout petit peu plus sensuel. Et voilà, le look est terminé.